Ah, messieurs, enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie, on a discuté. Alors c'est Monsieur Blackmore qui a pris la parole. Monsieur White, vous voyez qu'il a une canne, en fait, une espèce de... C'est la première fois que vous le voyez. Là, vous avez toujours eu affaire à George Blackmore. Là, c'est les deux. Et vous voyez qu'il a une canne et qu'il... Il a une espèce de, comment dire, des grosses lunettes noires, en fait. Et puis, il essaye de se diriger comme ça pour se mettre derrière son bureau, dans son fauteuil. Et Blackmore, lui, même si c'est en anglais, il est un peu... Il est assis à moitié sur son bureau, en fait. Vous voyez qu'il y a des papiers partout, etc. sur son bureau. Ça va un peu. Mmh. Alors, je vous ai fait venir parce que... j'ai une délicate mission à vous confier. J'ai un ami... qui aurait besoin de votre aide. Cet homme s'appelle Patrick Davenport. Alors, chacun, vous allez me faire un jet de chance. Déjà, on va commencer comme ça. Hop, réussi. C'est extrême. Alors, Francis. Alors, qui c'est qui m'a fait un extrême, là ? Francis, tu m'as fait un extrême. Et Hans, tu m'as fait une réussite. Un succès normal, on va dire. Voilà. Par contre, tu peux dépenser 2 points de chance pour effectivement améliorer ton succès. C'est comme tu choises. C'est comme tu veux. Ah non, ça me va bien. Hein. Succès normal, ça me va. Hein. Ok. Donc, Francis, au moment où, effectivement... tu entends le nom de Davenport, Patrick, tout de suite, franchement, ça te fait écho puisque c'est une vieille connaissance à toi. C'est donc. Pour ceux qui ont loupé leur jet de chance, vous pouvez me refaire un jet. Enfin, vous pouvez me faire un jet d'éducation. Pour savoir si vous avez entendu parler de ce Patrick Davenport. Alors, c'est un succès pour Arthur, donc tu sais qui c'est. Donc, les informations que je vais vous donner. Alors, toi, t'as une relation plus privilégiée avec Patrick Davenport, Francis. Il connaît tout le monde et c'est incroyable, Francis. Ouais, non, mais c'est le personnage, hein, je pense. Hein, c'est le personnage. Ah, c'est le bonhomme, hein, c'est le. C'est dommage qu'il fasse pas de la politique. Il y a une macro qui a été installée. Moi, je le verrais un peu comme Strauss-Kahn, Francis. C'est ça. C'est un peu ça. C'est pas comme ça qu'il appelle son. Donc, alors attendez, parce que j'essaye de lire les trucs en même temps. Tac, tac, tac. Alors, il y a qu'Arthur qui m'a fait un jet d'éducation, en fait. Les autres, vous n'en avez pas fait ? Ah oui, mince, excuse-moi, je pensais que j'avais réussi. Très bien. Alors, sauf pour Francis, évidemment, puisque Francis, soit c'est ton ami, donc c'est pas la peine. Mais c'est pour les deux autres, en fait. Donc, Goldsmith, non pas... Goldsmith, lourde éducation. Ça te dit rien du tout. Puis alors, Hans, c'est pareil, ça te dit rien du tout. Donc, pour Arthur, c'est un... Patrick Davenport, c'est un ethnologue assez réputé, en fait. Donc, c'est la seule information que tu as dû lire, en fait, dans les journaux, son nom, etc., sur différentes... comment dire... oh, mince. Expédition qui préparait, en fait. Puisque... généralement, il est tourné vers l'Afrique, des choses comme ça, et t'as dû le voir, on a dû le citer dans les ouvrages, que tu as comment consulté pour les objets que t'as dû identifier, en fait. Donc t'as dû voir son nom là-dedans, qui préparait des expéditions, etc., surtout en Afrique. Par contre, pour Francis, bah, c'est pas compliqué. Tu connais très bien Patrick Davenport. C'est un ami à toi. C'est devenu un ami, en fait, depuis fort fort longtemps.
Est-ce que tu as soigné ses filles, en fait? Ta fille aînée, en fait, s'appelle Émilie. Tu l'as connue quand elle était petite, etc. Il y a eu des complications à la naissance. Tu as suivi, on va dire, tu l'as suivie quand elle était petite, etc. Enfin bref, tu connais très bien la famille Davenport. Régulièrement, tu dînes avec eux, etc. Bon, sauf les quelques derniers mois, là où tu étais un petit peu occupé, à essayer de te remettre un petit peu de tes émotions, de ce qui s'était passé. Donc ça fait à peu près depuis mois d'avril que tu ne l'as pas vu, quoi. Avril 28, quoi. Donc, et pour te dire, en fait, donc Patrick Davenport est un ethnologue assez célèbre. Il a deux filles. Émilie. Et l'autre, comment s'appelle, putain? Pas commun comme nom. Ouais. Je vais la retrouver. Il les a bien soignés, les filles d'Avenport? Ouais, il s'en souvient très bien. Non, mais pas. Elle aussi! Non, mais. Pose des questions, c'est tout, hein. C'est... Alors, hop là, ah bah c'est pas ça, des noms. Ah, on va attendre que les flics passent. C'est New York, hein, c'est terrible la circulation. C'est ça. Donc on a les deux filles Davenport, Émilie et Hélène. Alors tu sais qu'elle a été... Elle a été touchée récemment, en fait, par une grosse perte, et qu'elle a eu du mal, beaucoup de mal à s'en remettre. Elle a vu un psychologue pour ça, mais ça n'a pas fait grand-chose. Attends, qui donc? Pardon, j'ai... Émilie. Émilie, elle a... Ouais, la fille aînée, en fait, de Davenport, a perdu son fiancé, en fait. En fait, c'est un explorateur. Et ben, il est décédé dans une de ses explorations. Qui a été financé effectivement une partie par Davenport. Ça s'est pas très bien passé et du coup il s'est crashé en avion, en fait. Et du coup depuis elle a un petit peu de mal, en fait, à s'en remettre. Et donc voilà un petit peu ce que vous savez, les différentes informations que vous pouvez avoir sur Patrick Davenport. Sur leur famille, etc. C'est une famille assez, assez riche, assez aisée, hein, comme vous avez pu soit le lire ou l'entendre. C'est une famille assez aisée. Et donc, effectivement, lorsque Blackmore te dit Patrick Davenport a besoin de vos services, tu te tiltes tout de suite. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Alors, apparemment. En tout cas, c'est bien dans les années 30 que tu pouvais t'aiser en étant ethnologue. Oui. Alors, en fait, la vérité derrière tout ça, c'est qu'en général, t'étais aisé avant d'être ethnologue. Oui, comme toujours. Oui, parce que ça te permettait de pouvoir faire des études qui pouvaient. C'est ça. Tu pouvais faire d'ethnologie derrière. T'avais accès à toutes les. À tous les métiers possibles quand t'étais aisé à cette époque. Mais au moins, ça va changer la donne quand on sera en 29. Hein. Et du coup, effectivement, Blackmore vous dit, voilà, j'ai reçu donc un coup de téléphone. Apparemment, c'est assez urgent. Sa fille a perdu le goût de vivre. Alors, pour tout vous dire, il pense que... à vérifier, tout ça, c'est à vérifier, c'était au conditionnel, et c'est entre guillemets. C'est pour ça que je vous mets sur l'histoire. Apparemment, elle serait possédée. Avant de faire intervenir un prêtre, ils m'ont demandé si vous ne pouviez pas, effectivement, enquêter là-dessus et savoir si vous pouviez faire quelque chose, quoi. Avant de commencer à appeler des prêtres, des exorcistes, etc., quoi.
Est-ce que tu m'autorises un jet d'occultisme pour voir un peu qu'est-ce que je peux savoir sur la possession démoniaque? Oui, bien sûr, oui. Bah voilà, parce que ça... Faut peut-être que je me prépare, prendre des trucs en particulier ou pas avant de partir. Ok, ouais, non, tout va bien. Tout va bien, tu sais rien. Tout va très bien. Tout va très très bien. Tu peux... Elle est juste déprimée. Alors tu peux... Attends, je vais juste regarder un truc. Je sais pas si c'est autorisé, ça, le redoublement sur les jeux d'occultisme. Je regarde. Hein. Je vous demande deux secondes, parce que je connais pas tout par cœur. Comme je suis pas un ayatollah des règles... Après, je peux te proposer un deuxième un choix. Si tu m'autorises, je peux faire des recherches en jeu de bibliothèque et après, éventuellement, faire un jeu d'occultisme. Si je vais quelque part en particulier pour... des informations sur la possession. Alors, alors, ça, je peux t'autoriser, mais attends, je vais juste avant... T'en mets une bibliothèque juste dans la pièce. C'est ça, ouais. Il y en a deux, même. Alors, hop. Ah non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je connais pas le bouquin encore. J'aurais dû faire des marque-pages, ça aurait été plus... facile pour me repérer. Ah, c'est ça. Je vais mettre mon marque-page comme ça. Pouf! Check, c'est là. Alors, redoublement de l'occultisme. Ouais. Parce que là, c'est pour avoir des informations. Donc, effectivement, comme ça, tu sais rien, quoi. Donc le fait de vouloir refaire un jet d'occultisme, c'est prendre le temps d'étudier le site ou l'objet, effectuer des recherches complémentaires, consulter un autre expert, se purifier et entreprendre une préparation personnelle poussée pour se préparer au rituel, etc. etc. Là c'est pas trop le cas, mais effectivement le jet de bibliothèque pourrait effectivement te permettre d'en savoir un peu plus. Alors après il faut savoir si tu vas avoir le temps ou pas, parce que d'après ce que tu sais, c'est assez urgentissime et qu'il faut aller pratiquement sur place dans la demi-heure qui suit. Ah ok, bon bah écoute, j'aurais pas le temps de le faire, mais... En fait, il est très inquiet en fait, Patrick Davenport, quand il m'a téléphoné, il était vraiment très inquiet et avant effectivement d'intervenir sur peut-être un exorciste ou autre, peut-être déjà aller voir ce qui se passe. Oui, de toute façon, si elle se trouve un petit peu agressive ou autre, nous avons un médecin avec nous qui peut la calmer par des injections particulièrement efficaces. C'est ça, c'est ça. Un peu de GHB dans son sac, là, et... Bon, c'est important. Qui est important, c'est commencer par la rassurer. c'est ça, tout à fait. Est-ce que, par hasard, tu l'as déjà rassurée lorsqu'elle était gamine? À l'époque, je n'avais pas ce talent, j'étais qu'un jeune... Un jeune médecin. D'accord. Très bien. Bon bah dépêchons-nous, hein. Vous avez l'adresse Pour info, il m'a dit je la connais depuis qu'ils sont enfants, du coup j'ai une idée de l'âge de Emily. Oui, elle doit avoir une vingtaine d'années à peu près, quoi. Ouais, voilà. Et sa sœur doit être c'est la sœur cadette, elle doit avoir 18 ans, chose comme ça. Mais effectivement, tu connais bien toutes les informations que je peux te donner. De toute façon, je veux dire, tu le sais. Exactement. Donc, si tu veux des renseignements un peu plus poussés, effectivement, je peux t'en donner. Mais tu connais très bien leur famille et puis les antécédents médicaux, etc., etc. Tu sais que leur mère est morte de problèmes de poumons en fait. Hein, elle a chopé la tuberculose. Il est veuf depuis de très très longues années en fait. Hein. Bah minimum 18 ans quoi. Enfin, voilà, au mieux 18 ans. Au ouais. mieux 18 ans, ouais. Au mieux 18 ans, ouais. C'est ça. Ok. Tu sais que c'est un homme assez sérieux, généreux et affable. Voilà. Donc, vous sortez dans la rue. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce de gros embouteillage, la neige...
Et excuse-moi, ils nous ont rien dit de plus, White et Blackmore, c'est tout ? Ils vous ont donné l'adresse où se trouve en fait effectivement la résidence des Davenport. Donc ils se, ils sont en fait, où est-ce qu'ils sont déjà ? Ils sont dans le, j'ai récupéré un petit module un peu plus précis que la carte là. Je sais pas, vous avez la carte au fait ou la... Oui. C'est bon. La carte de New York, oui. La carte de New York. Vous voyez mon doigt ? Oui. Et ben mon doigt, il se déplace pour aller en fait là où se trouve l'appartement des Davenport. Ça se trouve sur Broadway Street. Et je dois avoir une carte un peu plus précise que ça. Si par exemple je vais fermer la carte, où est-ce que je peux la retrouver ? Tu peux pas la retrouver. Ah. Alors je te conseille de la minimiser en fait. D'accord, ok. Parce que sinon, un peu minimiser ? Oui, tu peux minimiser, ouais. Ah bah, je savais pas, je l'ai fermé moi aussi. Attends, bah, je te la repartage et puis tu cliques, tu fais un clic droit sur la carte en fait. Et tu as une petite flèche avec une barre en bas là. D'accord. À côté de la croix. Bah, tu minimises en fait. Et okay, sinon, tu peux la retrouver dans l'image des cartes, mais alors après. Comme j'ai partagé plein de choses, je sais pas si tu vas les retrouver quoi. C'est le problème. Quand tu l'as minimisé, elle est où ? Ah oui, c'est bon, j'ai rien dit. Alors, le doigt, tu l'avais mis initialement là où on était ? Oui, je l'avais mis. Vous étiez pas loin en fait. Hein, vous étiez ici quoi. Donc du coup, il y a quelques rues qui séparent en fait l'immeuble de Warren Blackmore et puis l'appartement des Davenport. Et je vais vous trouver un. Ah. Alors c'est pas ça. Voilà. Alors, j'ai une belle carte à vous proposer. Par contre, je sais pas. Parce si que ça va. J'allais faire mon relou, sinon tu nous as dit que le bâtiment il était à côté de Times Square. C'est ça, ouais. Times Square, c'est pas par là ? Alors Times Square, c'est. Je sais pas si vous voyez la carte là. Par là d'ailleurs. Non, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est par là en fait. C'est par là. Donc en fait, je dis des conneries. C'était. Vous étiez pas là de base. Vous étiez du côté de Times Square. Et là où se trouvent en fait les appartements de Davenport, ils sont ici. Off, à Canal Street. Alors, je vous ai partagé une petite carte, mais je sais pas si on voit où c'est en fait. Ah si, si on voit. C'est sur Broadway Street en fait. Hein. Donc on a Times Square qui est tout en haut là. Et en fait, en suivant la Broadway Street, ben, vous arrivez sur les. C'est à quelques pâtés de maison de là où vous êtes. Et le souci, c'est que vous voyez dehors, la neige est tombée, les voitures n'avancent pas trop vite. Et que en fait, les transports en commun ou le métro seraient plus faciles d'accès. Et vous serez plus rendu rapidement sur les appartements de Davenport en fait. Sauf si vous voulez perdre du temps dans la circulation avec une voiture, hein. C'est pas. Ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Bah, si on est habillé en conséquence pour pas avoir trop froid, moi ça me dérange pas d'y aller. Ah, bah, à pied. Vous êtes habillé chaudement, de toute façon. Oui, bah, autant y aller à pied, ça fait du bien de marcher un petit peu, de. Ouais. Avant de rentrer dans le cœur de l'action, ça oxygène l'esprit, c'est bien. Donc, vous prenez même pas les transports en commun, vous y allez à pied, c'est ça ? Moi je propose, hein, ça fait pas de mal, hein. Je vous laisse parler. Pas, ça fera la promenade journalière, faut s'entretenir après tout. C'est exactement ça, au moins 20 minutes de marche par jour, il m'a dit le médecin. C'est bien ça, Francis ? Ça dépend de l'âge. Mais tu ne dis pas ça tout le temps. D'accord, mais on s'arrête prendre un café au passage. Pourquoi pas, s'il le faut. Ok, donc vous prenez un peu de temps pour aller jusqu'à. Vous faites une petite halte si vous voulez pour vous réchauffer en passant. Pour un petit chocolat chaud ou un café, chose comme ça. Et vous arrivez vers 11h à peu près, 11h midi sur l'appartement des Davenport. Vous trouvez facilement, vous aviez l'adresse de toute façon qui avait été donnée par Blackmore. Je suis déjà
je suis déjà passé moi. Et lorsque vous frappez à la porte, c'est Davenport lui-même qui ouvre. Oh bravo. La porte. Bonjour mon ami. Surprise. C'est un homme en fait d'une quarantaine d'années, peut-être un peu plus. Commence à se dégarnir sur le sommet du crâne. Il a une tache assez épaisse. Des oreilles un petit peu décollées, un visage plutôt rubicon, un nez assez aquilin. Et vous voyez qu'il est. Ses yeux sont rouges comme s'il avait pleuré il y a quelques heures, quoi. Il a les yeux vraiment bien rougis. Il est habillé en costume gris, une cravate, une chemise blanche à col, un pantalon gris, des chaussures noires, de très bonne qualité. Et vous secouez vos pieds avant de rentrer à l'intérieur de la maison. Et vous sentez une espèce de... Dès que vous rentrez en fait dans l'appartement, vous sentez comme une espèce d'oppression qui vous prend... sur la poitrine, comme si vous aviez du mal à respirer. C'en est palpable, c'en est même presque effrayant en fait. Et je vous montre à quoi ressemble Patrick Davenport. En effet, il a bien commencé à se dégarnir. Il fait la technique de la mèche sur le crâne. Ouais. C'est ça, pour éviter que... Mais ça même la mèche, elle a commencé à se barrer. Ouais. En fait, il a plus de moustache que de cheveux en haut, quoi, c'est ça. De toute façon, à part ça, je suis quand même un peu angoissé par cette histoire de possession. Je m'empresse de le voir et dire, bon, où est votre enfant? Avec un ton très grave. Il voit Francis, en fait, frotte ses yeux comme s'il voyait que comme si c'était un mirage en fait. Mais Francis, ça fait longtemps qu'on s'était vu. Je ne savais pas que vous travailliez pour le cabinet de détective privé que j'ai appelé ce matin. Ah mon ami, c'est vrai que ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Sortez-moi un bourbon et je vais vous expliquer tout ça. J'essaye d'aller de manière chaleureuse pour lever l'ambiance pesante en fait. D'accord. Davenport en fait vous mène dans un grand salon en fait. Il y a une espèce de long couloir en fait. Hein. Vous voyez qu'il y a un escalier direct sur votre droite. Il y a un escalier qui grimpe dans les étages. C'est un appartement assez cossu. Ça ressemble un peu à ça. Et tout de suite bon, vous rentrez dans le salon, et vous voyez qu'il y a déjà un homme en fait. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le salon, ils se lèvent lorsque vous entrez. Et puis. On sent qu'il y en a par ici. Davenport vous fait un peu le tour des personnes qui sont présentes dans le salon. Il fait je vous présente le professeur, le docteur Nigel Edwards, qui est venu nous prêter main forte. Alors, c'est un homme qui doit plus exercer vu l'âge qu'il a. Il doit avoir plus d'une soixantaine d'années. Lui aussi, lui, il a plus carrément de cheveux sur la tête. Hein. Il a juste des cheveux sur les côtés, en fait. Une espèce de grosse barbe grise. Et il tient fermement dans sa main une petite sacoche en cuir, hein, de médecin, typique. Il a une espèce de blazer noir, en fait, avec une petite chemise blanche. Il a les yeux gonflés. Mais vraiment gonflé, ça lui fait des tout petits yeux en fait. Comme s'il n'avait pas dormi depuis une semaine en fait, le gars quoi. Voilà à quoi il ressemble. Et il doit bien avoir effectivement la soixantaine quoi. Un peu négligé même. Hein. Ouais. Un peu négligé. Ça lui donne un style hein. Le docteur Edwards en fait est un ami de la famille. Et vous voyez que le docteur vient vous serrer la main chacun. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour. Et vous voyez qu'il est... Il a l'air assez soucieux, en fait.
Et à côté, en fait, vous voyez une jeune femme, très jeune, donnée à peu près 18 ans. Alors. On va enfin savoir son prénom. Alors, Hélène. Hélène. Hélène, elle s'appelle Hélène. Et Hélène, pardon. 18 ans, vous voyez qu'elle est habillée à la garçonne un peu. Elle a une espèce de robe à fleurs pourpre. Pourpre bleu, ça tire sur le bleu. Un espèce de collier. Et elle est pas aussi enjouée que sur la photo. Ok. Hop là. Il y a plein de personnages. Hein. Il y a plein de gens en fait. Tout est dans le regard. C'était dans le regard. Asseyez-vous, je vous en prie, je vous sers quelque chose. Hélène, si tu peux apporter du thé à nos amis. Ah ! Ou peut-être quelque chose de plus fort. Quelque chose de plus fort, c'est bien. Et mettez vos vêtements sur le porte-manteau. Je vois que... Vous voyez qu'il n'a pas de majordome comme il pourrait y avoir dans des familles comme ça. Il n'y a pas de majordome. Et... C'est lui-même qui vous retire vos vêtements, etc., pour les mettre à... Soit à sécher, puisque vous avez pris quand même de la neige, des choses comme ça, devant un grand feu qui est en train de brûler dans une cheminée. Ou sur le porte-manteau, c'est comme vous voulez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ben on s'assoit. Alors vous voyez Hélène qui s'en va dans la cuisine préparer peut-être du thé, mais à vous, il vous sort quelques verres et puis il sort du brandy qu'il vous verse à chacun pour vous réchauffer. Santé. Santé. Vous voyez qu'il prend le verre et il descend mais cul sec hein, direct. Hein. Et vous sentez, vous voyez ses mains qui... Lui aussi est soucieux, très soucieux, et il est, ses mains tremblent à moitié. Il a le réflexe de la jambe qui tremble, c'est-à-dire que il n'arrête pas de la bouger quoi, en fait, quoi. Quand il est assis, il a vraiment un tic nerveux quoi. Jette un coup d'œil à Francis, l'air de lui dire bon, demande-lui. Je maintenant qu'il s'est assis, il s'est calmé, on s'est entendu. Bon alors, explique-nous tout. Davenport, Patrick. Oui, je vais tout vous raconter. C'est alors je ne sais pas si vous savez. Je pense que toi tu dois le savoir, Francis. Mais Emily a comment dire avait un fiancé en fait. Et il est mort dans un accident d'avion. Alors qu'il était en expédition en Afrique orientale. Et depuis, Emily a perdu en fait la joie de vivre. Oui. En fait, continuez. En fait, vous voyez qu'il cherche ses mots, il a du mal à parler, il prend son mouchoir, il s'éponge le front. Et vous voyez des larmes qui coulent un peu sur son visage, qu'il efface assez rapidement avec son mouchoir. Et vous avez le temps de le voir. En fait, cet homme, il y a 2 ans, c'est un homme en fait qui est, c'est un explorateur, mais c'est aussi un professeur d'université à Boston. Et il s'appelait Neil Spengler. Et depuis, Emily a sombré dans une profonde dépression. J'étais inquiet pour elle et je suis parvenu en fait à la convaincre de quitter Boston pour revenir vivre dans la demeure familiale ici. Et même si elle s'est jamais vraiment remise de la disparition tout soudaine de son compagnon, Emily semblait depuis quelques mois en meilleure forme et avait même recommencé à sortir. Et elle sortait le plus souvent en fait pour se rendre au théâtre. Et avec le recul, j'admets que je ne savais pas vraiment où elle se rendait. Moi, j'étais content de la voir sortir avec des amis, etc. J'étais content que j'en ai presque oublié en fait de lui demander où elle se rendait.
Et j'étais persuadé en fait qu'elle avait repris une vie sociale et ça m'a rassuré. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas poser de questions en fait sur qui elle voyait et où elle se rendait, etc. Elle me disait, je vais au théâtre, papa, ce soir. Bah, je lui dis, oui, c'est bien, c'est bien. J'étais heureux de la voir en meilleure forme. Et avant hier soir, alors que Emily m'a annoncé qu'elle sortait rejoindre en fait des amis au théâtre, au beau milieu de la nuit, on a entendu des hurlements. Je me suis levé et en fait on tambourinait à la porte. Et c'était la bonne qui était là, Miss Tucci, qui a été la première à tambouriner à la porte d'Emily parce qu'elle entendait crier quoi. Et la porte était coincée. Avec Miss Tucci, on a réussi à l'ouvrir en utilisant un banc pour forcer la porte. Et lorsque la porte s'est ouverte, Emily s'est écroulée dans mes bras. Elle était dans un état complètement second. Et depuis hier soir, elle tient des propos complètement incohérents. Et elle a des accès de fureur et elle brûle de fièvre. Et le docteur est aussi désemparé que moi. Et vous voyez, bon, le docteur Edwards qui est à côté, qui affirme d'un geste de la tête par l'affirmative que ben, il est un peu dépassé par ce qui se passe. Quoi. Le plus insupportable, c'est que je n'arrive pas à savoir où elle a bien pu passer la soirée. Aucun de ses amis n'avait rendez-vous avec elle. J'ai téléphoné, personne n'avait rendez-vous avec elle. J'ai téléphoné même à la police et à peu rien pour nous. C'est un véritable casse-tête. D'accord. Alors j'ai eu l'idée de téléphoner à mon ami Blackmore pour essayer de voir ce que lui pourrait faire pour nous. Et il vous a envoyé. Et j'espère franchement que vous allez pouvoir réussir à trouver ce qui se passe. Parce que là, je sais plus quoi faire.